fongoli motema nanga yokota yolobi soki yokobeta na ekuke nani akofongola yo kofanda mpe okolia na ye mesa moko atambola na yo po yo moninga malamu. Bonjour frères et sœurs, Dieu nous donne la grâce de partager la parole de Dieu en ces jours. J'aimerais, avec votre permission, lire deux portions des Écritures et puis je vous donnerai les thèmes que nous allons aborder. Nous allons d'abord lire dans le premier livre de Samuel, chapitre 18, et là nous lirons du premier au quatrième verset. Et je vais la faire cette lecture. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. La seconde portion ou la seconde lecture, nous voulions la faire dans le livre de Juges au chapitre 16. Et là, nous lisons d'abord le verset 4. Et puis nous lisons la fourchette allant du verset 18 au verset 21. Le verset 4 dit ceci. Après cela, Samson aima une femme dans la vallée des Sorek. Elle s'est nommée Delila. Le verset 18 à 21 dit. Delila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit. Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, Samson, les Philistins sont sur toi. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en dégagerai comme les autres fois, je m'en tirerai. Et la dernière fois, je la prononce toujours avec beaucoup de tristesse, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins les saisirent et lui crèvèrent les yeux, et les firent descendre à Gaza, et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. J'aimerais en ces jours parler sur les thèmes Jonathan et Delila, ou deux types de rencontres décisives dans la vie. J'aimerais d'entrée dire que sur le chemin de la vie, que nous le voulions ou non, à moins que nous vivions en vase clos comme un îlot, nous sommes appelés à être en contact avec des gens. Et nous avons des contacts, soit positifs, des contacts négatifs. Mais d'entrée, j'aimerais dire que nous avons trois types de rencontres que, un jour ou l'autre, soit nous faisons, ou peut-être que nous avons déjà eu à faire dans notre passé. Premièrement, nous rencontrons un type de personne qui ne nous apporte rien. Rien de positif, rien de négatif. Il ne nous enlève rien, et il nous ajoute rien. Avant et après rencontre avec eux, rien n'échange dans notre vie. Mais deuxièmement, nous rencontrons un type de personnes qui nous changent négativement. Nous les rencontrons, nous sommes appauvris. Nous les rencontrons, nous perdons des choses. Nous les rencontrons, nous sommes comme amoindris. Nous les rencontrons, nous sommes comme dévalués. Et ce type de personnes, quand il nous arrive d'être en contact avec eux, 5 ans, 10 ans, 20 ans après, quand nous vivons la déchéance, nous avons la certitude que tout a commencé quand nous les avons rencontrés. Nous les avons rencontrés comme amis, nous avons rencontrés comme condisciples à l'école, nous avons rencontrés comme voisins, nous les avons rencontrés comme amis, nous les avons rencontrés peut-être comme épouses ou époux. Et puis il y a un troisième type de personnes, et ce type de personnes, c'est des gens dont les rencontres vous enrichissent. Vous êtes en contact avec eux, ils vous propulsent dans votre destin. Ils vous amènent à devenir mieux que ce que vous étiez. Ils vous apportent un plus. De telle sorte que comme pour le deuxième type plutôt des gens, des années après, quand vous regardez que vous vivez dans un état de félicité, un état d'accomplissement des promesses de Dieu, vous avez tendance à vous poser la question, et si je les avais pas rencontrés? Et s'ils n'étaient pas sur ma route? Simplement à cause des grandes choses que vous réalisez, que vous avez eues, en leur contact. Mais j'aimerais toujours, en allant plus loin, dire que sur le chemin de la vie, nous rencontrons aussi trois types de personnes. Il y a des gens que l'on rencontre pour un temps. Ils viennent pour un petit moment.
Il y a des gens que nous rencontrons pour la vie, mais il y a aussi des gens que nous rencontrons pour un but. Et parmi ces types de rencontres, l'une des premières rencontres, c'est celle de David avec Jonathan. Le passage que nous avons lu de 1 Samuel 18, de 1 à 4, nous parle d'un tournant dans la vie de David, d'un virage, je dirais même un virage décisif. Un jeune homme qui a des promesses de la part de Dieu, à qui Dieu a dit beaucoup de choses. Samuel est venu mettre l'huile sur sa tête en lui disant « Israël, voici ton roi ». Et là, je me rouvre une parenthèse que je fermerai rapidement pour dire « Le Dieu qui fait la promesse, lui-même sait quand et comment il va nous amener vers l'accomplissement ». Donc, il a reçu cette promesse de la part de Dieu. Et puis, en plus, il vient de vaincre Goliath, il devient quelqu'un de célèbre dans le pays. Et puis, Saül qui les prend, qui fait de lui non seulement son joueur de harpe, mais qui fait de lui aussi son porteur d'âme. Donc désormais, ce jeune homme a des entrées dans le palais royal. Il entre dans un milieu qu'il ne connaît pas. Il entre dans un milieu où il ne connaît pas les gens. Il ne connaît pas les us et les coutumes. Il ne sait pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Qui rencontrer n'est pas rencontré. N'oubliez pas que c'est un modeste petit berger qui a grandi dans un coin reculé et qui là, permettez-moi les termes, est comme parachuté. Dans un milieu moderne, dans un milieu où il y a de bonnes habitudes, dans un milieu où il y a des choses, en temps normal, il ne sait pas faire parce qu'il n'a jamais été préparé pour ça. Donc le contexte nous montre que David est dans l'insécurité. David est vulnérable. David, il ne sait pas beaucoup de choses. Et c'est là où intervient, parmi les cinq choses que nous voulons mentionner concernant ce que les Jonathan apporte dans notre vie, la première des choses, c'est que Dieu envoie les Jonathan dans notre vie au bon moment. Il les envoie au bon moment. Et Jonathan est rentré dans la vie de David à un moment où David s'y attendait pas. Lisez bien le contexte. Aucune météo n'a annoncé la venue de Jonathan. Et c'est ainsi. Et c'est pour ça que j'aimerais vous dire, si vous avez des promesses de la part de Dieu, si vous vous attachez à Dieu comme David, Dieu vous enverra un Jonathan. Vous n'allez pas penser à lui. Vous n'allez même pas souhaiter qu'il vienne, mais Jonathan va venir parce que c'est Dieu qui a décidé qu'il vienne. Et comme j'ai dit, il vienne au bon moment. Nous ne prions pas pour qu'il vienne, mais c'est Dieu qui les envoie. La Bible dit, David avait achevé de parler à Saül, et subitement, dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Pourquoi il aime ce jeune homme? Inexplicable. Pourquoi il s'attache à lui? Lisez les contextes. Normalement, Jonathan était appelé être le successeur de Saül. Donc, la pensée simple aurait été que Jonathan puisse avoir du mépris pour David. Et même de la méfiance. En se disant, vu le succès qu'il est en train d'obtenir, est-ce que le cœur du peuple ne peut pas se tourner vers lui? Mais quand Dieu veut vous donner quelqu'un, il vous les donne. Donc, la première des choses concernant les Jonathan, c'est que c'est Dieu qui nous les donne. Et nous les donne au bon moment. Quand ils entrent, ils font des choses inimaginables. Des choses auxquelles vous et moi, on n'a jamais pensé, peut-être qu'on ne pensera, jamais. Deuxième chose que les Jonathan font dans notre vie, c'est que les Jonathan prennent ce qu'ils ont de meilleur et les mettent à notre disposition. 1 Samuel chapitre 18 au verset 4 dit, Jonathan ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Les Jonathan, quand ils viennent dans notre vie, ils ne veulent pas retirer de nous. Ils veulent pas profiter de nous. Les Jonathan que Dieu nous donne prennent les meilleurs qu'ils ont. Voyez cette belle image. Il y a d'un côté un petit berger qui sûrement n'a jamais été habillé en tenue de prince. Et de l'autre côté, il y a un prince qui est habitué à la félicité, habitué à la gloire. Et Jonathan arrive et les contextes nous montrent qu'à un moment, il y a eu un prince qui s'est retrouvé nu. Et puis il y a eu un berger habillé en tenue royale. Il avait dit, il a pris son manteau. J'essaie d'imaginer, il dit, allez, prends ça. Il prend son épée, la chose qui symbolise sa sécurité, qui lui permet de se protéger. Et il donne cela au petit berger. Il donne son arc et il donne sa ceinture. Et tout ce qu'il a là a été marqué de traces que c'est un prince. Donc de telle sorte que si quelqu'un rentre dans la pièce, s'il peut juger par l'extérieur, il va dire, celui-là, c'est le prince. Et celui qui est nu, c'est peut-être un monsieur ou quiconque. Mais ça, c'est ce que les Jonathan font. Ils prennent ce qu'ils ont de meilleur et ils mettent à notre disposition. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Et les Jonathan, ils ont cela. Ils sont prêts à perdre
pour que nous puissions gagner. Ils sont prêts à prendre le meilleur qu'ils ont pour nous le donner. Qu'il y ait des gens sur les chemins de notre vie qui veulent retirer de nous, qui veulent profiter de nous. Qu'il y ait des gens qui viennent s'attacher à nous, apparemment pour nous aider. Mais tout ce qu'ils veulent, ils veulent se servir de nous pour atteindre leurs objectifs. Mais là n'est pas le style de Jonathan. Les Jonathan viennent pour nous donner le meilleur de nous-mêmes. Et là, j'aimerais faire une double prière. Seigneur, mets des Jonathan sur ma route. Mets sur ma route des gens qui sont prêts à prendre le meilleur qu'ils ont pour me les donner. Mais ma prière sera incomplète si je ne fais pas la seconde partie. Fais de moi aussi un Jonathan pour quelqu'un. Aide-moi aussi à prendre ce que j'ai de meilleur, à les donner à quelqu'un d'autre. Donc, le Jonathan, deuxièmement, j'aimerais bien que nous puissions ne pas perdre le fil de nos idées. Premièrement, donc, comme je disais, les Jonathan, c'est Dieu qui les donne, il les donne au bon moment. Mais deuxièmement, les Jonathan prennent ce qu'ils ont de meilleur et les mettent à notre disposition. Troisième chose que les Jonathan font, ça nous retrouvons cela dans 1 Samuel, au chapitre 20, du verset 30 jusqu'au verset 33. Écoutez ce que la Bible dit. Alors, la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Il veut montrer que c'est toi qui as appelé à être roi. La présence de ces jeunes hommes, c'est un danger pour toi. Et il ajoute encore, et maintenant envoie-les-moi chercher, qu'on me l'amène. Et écoutez bien cette parole de Saül, car il est digne des morts. Waouh! Qu'a-t-il fait pour mériter la mort? Ah, mais j'aime la réponse de Jonathan. Jonathan répondit à son père et lui dit, pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Et c'est là notre point. Les Jonathan, ils prennent position pour nous. Les Jonathan ne se taisent pas. Les Jonathan disent ce qu'ils pensent. Les Jonathan sont prêts à nous défendre. Les Jonathan sont prêts à mettre leur vie en danger pour nous. Les gens diront gratuitement. Mais lisez la suite. Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Saül veut frapper Jonathan simplement parce que Jonathan prend position pour David. Mais sur ma route, des gens qui sont prêts à dire, non, tu ne dois pas dire ça de lui, tu ne peux pas faire ceci. Qu'il y ait des gens qui sont à côté de nous, qui sont d'une neutralité qui n'a pas sa place. Ils auraient dû arrêter certaines personnes à faire certaines choses. Ils auraient dû arrêter certaines personnes à dire certaines choses. Mais ils disent qu'ils sont des nôtres, ils croient en nous, mais dans leur cœur. Mais Jonathan, ce n'est pas le type qui est pour David dans son cœur. Il prend position. De telle sorte que même son propre père sait. Il dit, je sais que tu as pour ami David, les fils d'Isaïe. Donc les Jonathan, ils prennent position pour nous. Est-ce que tu es prêt à prendre position pour les David, à côté duquel Dieu t'a placé? Est-ce que tu es prêt à risquer des choses et à ne pas laisser l'ennemi faire ou dire certaines choses, ou les gens faire ou dire certaines choses. Quatrième et avant-dernière chose que j'aimerais dire concernant les Jonathan, et cela nous est montré dans 1 Samuel, chapitre 23. La Bible dit, David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, s'étant au désert des Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Il lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Quatrième chose que les Jonathan font, c'est que les Jonathan sont en sécurité. Quelle que soit l'élévation que Dieu nous donne, quelle que soit la gloire que Dieu nous donne, les Jonathan n'ont pas peur que nous les dépassions dans certains domaines. Les Jonathan n'ont pas peur que nous ayons un succès parce qu'ils font de notre succès leur succès. La Bible dit, quand Jonathan va vers David, écoutez les paroles qu'ils lui disent. Tu régneras sur Israël. Bizarre comme parole. Dans l'ordre normal, c'est Jonathan qui était appelé à succéder à Saül. Mais là, il reconnaît les vertus qu'il y a en David. Il reconnaît les aptitudes qu'il y a en David. Et il dit non, il est bon que toi tu règnes. Et il va plus loin dans sa sécurité intérieure. Il dit, tu régneras. Et puis il dit, moi je serai ton second. Moi je serai ton second. Waouh! Seigneur, donne-moi le cœur de Jonathan. Quelqu'un qui est prêt à se dire, moi je serai en seconde position. Même si David est en premier. Le fait d'être second ne le dérange pas.
Le fait d'être derrière ne les dérange pas. Et ça, ce sont les Jonathan. Que des gens à côté desquels nous retrouvons, mais qui nous jalousent dans le cœur, qui nous en veulent, qui nous sourient, mais qui n'acceptent pas notre élévation, qui ne supportent pas notre élévation, qui, quand ils entendent qu'on dit du bien de nous, ils sont mal à l'aise. Mon pasteur, le pasteur Jacques-André Vernon, me disait il y a plusieurs années, il disait, la maturité d'un serviteur de Dieu se mesure à sa capacité à supporter les succès, l'élévation de l'autre. Combien dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui, on n'arrive pas à supporter que l'on dise du bien de quelqu'un. On ne supporte pas dans le ministère des chants, dans la parole, dans je ne sais quel autre aspect de la vie de l'Église, que l'on dise du bien de quelqu'un. J'ai en mémoire cette jeune fille qui est venue me voir au bureau. Elle avait 23 ans et son nez à deux. Sa jeune sœur avait 21 ans, les deux complices dans la vie, s'aimant. On les voyait presque comme des jumelles. Un dimanche, alors que j'ai fini de prêcher, je prêchais sur un thème, si mes souvenirs sont bons, Abel doit mourir. Et je parlais de la jalousie. Je parlais comment la jalousie détruit, la jalousie peut faire des choses. Et à la fin, je dis la jalousie, elle entre dans notre cœur comme une semence, mais on peut arrêter sa progression en ne l'arrosant pas. Et j'ai cité le passage où Dieu voit la jalousie naître dans le cœur de Caïn et dit, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Quand Dieu dit cela, il veut dire, quel que soit le fait que ça commence à germer, tu as la capacité d'arrêter sa progression. Toi, domine sur lui. Et cette jeune fille a dit, elle a été touchée par cette parole. Et avant que je ne la reçoive, je l'ai vue pleurer, les larmes couler. Et quand elle est rentrée dans mon bureau, même une bonne vingtaine de minutes, elle n'arrivait pas à parler, les larmes coulaient. Et quand elle a ouvert la bouche, quand elle m'a relaté l'histoire, j'ai dit, waouh. La Bible a raison quand elle dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Oh, si Dieu exposait nos cœurs aux yeux de ceux qui sont tout autour de nous, à côté de nous, Dieu sait si nous n'allons pas nous cacher. Il me dit, pasteur, j'ai une jeune sœur, je souhaite qu'elle meure. Je me dis même que le plus beau jour de ma vie, ça sera le jour où elle va mourir. Il y a 2 mois, elle était très très malade, elle était entre la vie et la mort. Je ne l'ai pas dit à haute voix, j'ai prié avec les autres, mais dans mon cœur, je souhaitais qu'elle meure. Pourquoi? Parce que j'ai la jalouse. Depuis que nous avions commencé à grandir, qu'on était adolescente, 13, 14 ans, dès qu'un garçon s'intéressait à moi, quand il me rencontrait à l'école ou ailleurs, mais dès que les garçons arrivaient à la maison et que les garçons la voyaient, ils m'oubliaient. Je faisais comme partie du décor. Et tous les compliments, tant que j'étais seul, on me donnait des compliments, mais dès qu'elle est arrivée là-bas, on l'a complimenté pour ses cheveux, pour sa coiffure, on l'a complimenté pour sa tenue, on l'a complimenté pour telle ou telle autre chose. Et moi, on m'oubliait. Et de telle sorte que j'ai nourri ce sentiment, je rigole avec elle, je parle avec elle, mais j'ai l'impression qu'à cause d'elle, on ne me voit plus. Je fais partie du décor. Et j'ai prié pour cette jeune fille-là, dit, pasteur, prie pour moi, que cette chose parte. Ma sœur ne connaît pas ça, ma sœur ne voit pas ça, mais combien je souffre dans mon cœur de voir ces choses. Mais quand nous avons des Jonathan, ils ne sont pas en insécurité, parce qu'ils ont dit de bonnes choses de nous. Ils ne sont pas en insécurité, parce que nous nous sommes élevés. Et quand je parle de ce cœur de Jonathan qui a l'insécurité par rapport aux autres, je suis peut-être le prédicateur. Mais j'aimerais vous dire dans ce domaine, moi-même aussi j'ai besoin de progrès. Ah, j'ai en mémoire, en 98, je suis allé prêcher à l'est de mon pays, à Bukavu. Je prêchais de lundi jusqu'à samedi. J'étais censé prêcher plutôt de lundi jusqu'à samedi. Je prêchais de lundi jusqu'à jeudi. Merveilleuse réunion. Je prêchais les après-midi entre 17h et jusqu'à 19h. Mais chaque matin, de 9h à 13h, on me donnait un bureau. Et j'ai recevé les gens, une centaine presque chaque matin. Les gens venaient en grand nombre. J'ai terminé de prêcher le jeudi soir. Le pasteur de cette église vient, il me dit, non, il y a un vieux pasteur qui vient d'un coin de mon pays appelé Ouvira. Si tu peux le laisser prêcher demain, comme ça, toi, tu te reposes et tu continueras le samedi. Le vendredi, j'ai vu ce monsieur venu, un bout d'homme, un monsieur, la présentation extérieure attachée au milieu d'où il vient. Mais cet homme, quand il est venu prêcher, waouh, quelle parole, quelle profondeur, quelle action de l'esprit. La réunion était tellement enveloppée de la gloire de Dieu que je me suis dit, waouh, j'ai jamais vu de pareil. Le lendemain, le samedi, je me retrouve à mon bureau à 9h. Juste avant d'y aller, le pasteur me dit, ah, on donnera aussi un autre bureau à l'autre pasteur, pas très loin de chez toi. Et j'arrive à mon endroit habituel, je lève mes yeux. À l'endroit où il y avait chaque matin des centaines de personnes, je vois des chaises vides. Je l'ai dit à un ami, il n'y avait que des mouches et des moustiques. Et je lève les yeux du côté où on avait donné le bureau au pasteur, plein,
plein de gens. Et me voilà entré dans mon bureau de 9h jusqu'à 11h. Je ne recevais personne. Dans ma tête, moi, je me suis dit, c'est sûr, il y a eu des retardataires qui ne savent pas qu'entre guillemets, l'homme de Dieu est là. Je suis sorti comme pour faire des petits gestes, mais c'était une manière de lancer un message. Ceux qui ne savaient pas que j'étais là, qui sachent que je suis là, je suis retourné au bureau. Personne. À 13h, 13h30, nous avons fini de recevoir, et lui et moi, enfin moi j'avais reçu personne. Le soir, je vois un jeune homme qui nous aidait comme protocole, me voir dans ma chambre d'hôtel, là où j'étais. Il me dit, pasteur, tu as vu ce pasteur venir d'ouvrir, ah, il est terrible. Hein? Aïe, 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 je l'ai dit à ma honte. Je me suis surpris en train de lui dire, je préfère lui dire en lingala, je vais traduire. Je lui dis, bouke banabatu baouta gamboka. C'est-à-dire, j'ai dit, faites attention aux gens qui viennent de coins reculins. Peut-être qu'il a des fétiches. Je me suis même avoir dit, qui sait si vous soulevez sa veste, vous n'allez pas avoir des amulettes, parce que les choses qui se sont passées aujourd'hui, moi j'ai difficile à croire que c'est seulement l'esprit. Mais qu'est-ce qui était à la base? C'est la jalousie. Simplement. Je n'ai pas supporté que là où on disait du bien de moi et que quelqu'un vienne, entre guillemets, et me vole la vedette. Mais quand vous rencontrez des Jonathan, ils ne sont jamais dérangés. Et ce soir-là, je me souviens avoir pleuré. J'ai dit, Seigneur, pourquoi dois-je avoir un tel cœur? Est-ce que tu ne peux bénir que par moi? Est-ce que tu ne peux faire du bien que par moi? Si tu le fais par quelqu'un d'autre, ce n'est pas le royaume de Dieu qui avance. C'est pour cela que j'ai dit, si vous pouvez avoir des Jonathan qui acceptent, qui supportent votre succès, vous êtes les gens les plus heureux. Cinquième et dernière chose que les Jonathan font, c'est que les Jonathan connaissent la valeur des paroles. Dans Isaïe chapitre 50, au verset 4, je préfère le lire tel que c'est écrit. Il est dit une parole merveilleuse. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Et les Jonathan connaissent cela. Ils connaissent la puissance des mots, la puissance des paroles. Les Jonathan n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'on ne va pas bien. Les Jonathan connaissent nos besoins émotionnels. Ils connaissent nos besoins sentimentaux. Les Jonathan viennent vers nous sans qu'on leur demande. Et la Bible dit, David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, s'étant au désert des Ziph, écoutez ce que la Bible dit au verset 16, « Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva, alla vers David dans la forêt. Il quitte la ville pour la forêt. Non pas pour aller avoir dans la forêt, mais pour aller fortifier quelqu'un qui se trouve dans la forêt. Écoutez ce que la Bible dit, quand il arriva là-bas, il fortifia sa confiance en Dieu. Une autre version dit, il rendit sa confiance en Dieu plus forte parce que celle-ci tendait à ne plus être là. Donne-moi quelqu'un qui vient me dire, ça va aller. Donne-moi quelqu'un qui me relève. Donne-moi quelqu'un qui sait que je ne vais pas bien et qui vient pour m'encourager. Et écoutez, quand il ouvre la bouche, il prononce trois phrases merveilleuses. La première, il dit, ne crains pas. Parce qu'il sait que la crainte est dans le cœur de David. L'incertitude. Vais-je y arriver? Dieu m'a promis par la bouche de Samuel. Mais la réalité sur le terrain, j'ai l'impression que Saül est plus fort. Est-ce que j'y arriverai? Ne crains rien. Et deuxièmement, il lui apporte une certitude. La main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Waouh! Malgré son armée forte, malgré l'inégalité des moyens, lui il a plus de moyens, toi tu n'as rien. Sache que Dieu est de ton côté. Et la main de Saül ne t'atteindra pas. Et la troisième des choses, il apporte une certitude alors que David n'a pas de certitude. Il dit, tu régneras sur Israël. Waouh! Malgré ce que le président te dit, sache que tu es appelé à être roi. Et ça, les Jonathan le font. Les Jonathan nous apportent toutes ces choses. Mais avant de passer à Delilah, j'aimerais dire un certain nombre de choses concernant Jonathan. Les Jonathan ne sont pas donnés à n'importe qui. Dieu ne donne pas Jonathan à n'importe qui. Dieu donne des Jonathan pour une certaine catégorie de personnes spécialement. Trois choses. Premièrement, les Jonathan sont donnés pour ceux dont le cœur sont remplis de Dieu et qui plaisent à Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, au verset 22, la Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas qu'il est un homme parfait, mais c'est un homme dont le cœur s'est plaît à Dieu. Une autre version dit, l'homme dont le cœur se plaît à plaire à Dieu. Si vous voulez avoir un Jonathan sur votre route, alors soyez ce type d'homme dont le cœur se plaît à plaire à Dieu. Alors Dieu vous enverra
Hein, Jonathan. Et quand vous êtes cet homme dont le cœur plaît à Dieu, vous aimez l'adoration. Comme David pourrait dire, moi je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Dieu ne donne des Jonathan qu'à ceux qui trouvent leur joie dans la maison du Seigneur. La deuxième des choses, c'est que les Jonathan sont donnés aux hommes et aux femmes qui sont attachés à Dieu et dépendent totalement de lui. Dans Psaume 23, verset 1, David dira, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Dieu ne donne des Jonathan qu'à ceux qui ont l'Éternel comme berger. Avez-vous l'Éternel comme berger? Si oui, Dieu finira par vous donner un Jonathan. Mais troisièmement, Dieu donne des Jonathan pour ceux qui savent gérer les promesses de Dieu. Ceux qui, comme David, ont reçu la promesse de la part de Dieu, qui vont être élevés, qui vont devenir grands. Mais la Bible montre, et David, malgré l'élévation, 1 Samuel 16, verset 19 nous montre, malgré la promesse qui lui a été faite, il est allé garder les troupeaux de son père. 1 Samuel 16, au verset 21 et verset 23, malgré la promesse qui lui avait été faite, il était prêt à devenir le porteur d'armes de Saül. Il était prêt à jouer la harpe pour Saül. Et Dieu donne des Jonathan à ce type de personnes qui savent gérer la promesse. Malgré la promesse des grandeurs, il est resté humble. Oh, l'humilité, quelque chose qui nous manque. Mais le deuxième type de rencontres que nous avons mentionné, c'est rencontrer Jonathan, c'est une rencontre positive qui nous propulse. Ce sont les Délilas. Les Délilas sont des rencontres négatives. Des rencontres qui nous dévient. Des rencontres qui nous appauvrissent. De quoi est-il question? Israël est resté longtemps soumis à l'ennemi, les Philistins, qui les écrasait, qui les détruisait. Et la Bible dit, le peuple s'est mis à pleurer. Et Dieu fait la promesse aux parents de Samson. Il dit, je vous donnerai un fils. Il donne des restrictions. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais il ajoute surtout, et c'est là mon élément, ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistin. Oh, quel appel! Oh, quelle vocation! Quelqu'un qui, par sa vie, va sécuriser toute une nation. Quelqu'un, par sa vie, va changer la condition de son peuple. Et plus tard, la Bible montre que Samson a commencé à grandir. Il est même dit que l'Esprit de Dieu commença à le secouer, à l'agiter. Et puis, il a commencé à faire des choses inimaginables. Il est devenu ce grand juge qui a terrorisé les Philistins de telle sorte que durant plusieurs années, Israël s'est retrouvé dans la sécurité, dans la quiétude. Et puis subitement, une rencontre. 1 Samuel 16, 4 dit, après cela, Samson aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'est nommée Delila. Et là, j'aimerais dire trois choses concernant les Delila. Premièrement, les Delila sont des rencontres programmées par l'ennemi pour changer notre destin. Je répète cela. Les Delila sont des rencontres programmées par l'ennemi pour changer notre destin. Juges chapitre 13, verset 5, nous montre ce qui était la vocation et l'appel de Samson. Ça serait par lui que je commencerai à délivrer Israël. Mais écoutez, quand il rencontre Delila et que Delila crève ses yeux, Juges chapitre 16, verset 25 dit, les Philistins dirent, amenez-nous Samson, qui nous divertisse. Les Delila transforment toujours des libérateurs en divertisseurs. Quand les Delila entrent dans une vie, celui qui était appelé à être les libérateurs devient un divertisseur. J'aimerais dire aux hommes, aux femmes de Dieu, si vous ne le savez, si vous le savez, alors c'est un rappel. Si vous ne le savez pas, je vous l'annonce. Le diable programme des Délilas. Paul parlant aux Corinthiens dira, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Jésus-Christ parlant à ses disciples dans Jean 10, 10, il dit, les voleurs ne viennent que pour égorger, détruire et dérober. Et l'ennemi réfléchit, l'ennemi programme. Quelqu'un dit, le diable, s'il était un pêcheur, il utilise toujours les appâts qu'il faut. Il sait quel appât utiliser pour telle personne. Le diable ne viendra jamais vous tenter dans quelque chose où il sait pas qu'il sait vous avoir. Et les Délilas sont des types de personnes que le diable place sur notre route comme amis, comme compagnons, comme mentors dans le ministère, comme coach, je ne sais pas moi, pour nous détruire, comme des fois comme amis, comme camarades à l'école, que des gens qui ont été déviés simplement par une mauvaise rencontre. Un jeune homme bien qui rentre à l'université, qui tombe sur la route d'un drogué et qui devient drogué.
une jeune fille qui ne faisait pas certaines choses, qui tombe sur un mauvais numéro, et puis voilà, tout est parti. Un ministre de Dieu marche dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la droiture. Mauvaise rencontre, et toute une vie est détruite. Deuxième chose que j'aimerais dire concernant les délits-là, c'est que les délits-là sont toujours des rencontres que nous regrettons après. Parce que leur aspect destructeur, nous ne le voyons pas au début. Au début, nous ne voyons pas leur côté destructeur. Juges chapitre 16, verset 21, nous dit, « Ils lui crèvèrent les yeux, et les firent descendre à Gaza, et les lièrent avec des chaînes des reins, et tournaient la main dans la prison. » En général, c'est quand nous avons les yeux crèvés par les Philistins que nous comprenons que Delilah a été mauvaise. Mais l'idéal, c'est toujours comprendre que Delilah est mauvaise sans que nos yeux soient crèvés. Je n'ai pas besoin d'avoir des yeux crèvés pour comprendre que Delilah a les yeux crevés. Et vous savez, il y a ces compréhensions, il y a ces sagesses, il y a ces connaissances qui nous arrivent tardivement et qui ne servent à rien. À quoi me sert d'être Samson qui maintenant sait que Delilah est mauvaise alors que j'ai les yeux crevés? L'idéal, c'est de le savoir avant. Alors mes yeux seront protégés. Ah, je n'aimerais pas un jour avoir des regrets en disant, si je ne l'avais pas rencontré, si je n'avais pas laissé que cette personne s'approche de moi. Sur le chemin de la vie, il y aura des gens qui viendront vers nous. Il y aura des gens vers lesquels nous serons attirés. Mais soyons sélectifs. Ne laissons jamais des délits-là rentrer dans notre vie. Sinon, nous les regrettons. Troisième et dernière chose que j'aimerais dire concernant les délits-là, c'est que les délits-là sont des rencontres que nous pouvons éviter. Ce ne sont pas des fatalités. Ce sont des rencontres que nous pouvons éviter. Et nous pouvons éviter cela si nous sommes attachés et attaché réellement à Dieu. Mais je pense que je serais incomplet si je ne relatais pas l'histoire de cet homme que j'ai connu à l'est de mon pays, à Goma, un homme brillant qui a travaillé dans des organismes de Nations Unies, vacances en Europe, vacances aux États-Unis avec ses enfants. Il avait ses deux enfants, si mes souvenirs sont bons, 6 ans et 4 ans, Gaylor, ainsi que Sandra, petit garçon et petite fille. Je venais visiter l'est de notre pays. Je le voyais des gens avec lesquels j'échangeais. 2 ans après, je reviens dans cette même province. On me dit que cet homme est malade. Je vais le visiter sur son lit d'hôpital. Je parle avec lui. Il m'ouvre son cœur. Il est séropositif. Je lui demande comment tu as attrapé la maladie. Il dit, Roland, tu sais, moi je suis un enfant des serviteurs de Dieu. Je me suis converti à l'école du dimanche. J'avais à l'époque 10 ans, 10 ou 12 ans, je ne sais plus très bien. Et j'ai grandi ainsi. Je me suis marié, j'avais 27 ans. Aujourd'hui, j'ai 10 ans de vie commune avec ma femme. Jusqu'à il y a une année et demie, j'avais jamais connu d'autre femme que ma femme. Jusqu'à ce qu'une jeune stagiaire vienne comme secrétaire dans mon bureau. Et là, nous les hommes, quelqu'un dont on ne connaît pas le passé. Je ne sais pas avant qu'elle vienne dans ce bureau, elle était avec qui, elle sortait avec qui. Et subitement, tu perds le contrôle. Elle a dit, j'ai perdu le contrôle. J'ai commencé à sortir avec cette jeune fille. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était dans un état pas très bien. Et je trouve cet homme qui est en train de pleurer et dit, ma femme aussi est malade. Je suis allé quelque temps visiter sa femme. Durant la période où j'étais là, une semaine avant que je quitte Nairobi, sa femme est décédée. Et je revois encore la scène. Sa femme est en train de lui parler, tenant par la chemise, en déchirant la chemise en disant, j'ai jamais connu d'autre homme que toi. Et voilà, je suis en train de partir. Je ne verrai pas mes enfants grandir. Alors que je n'ai jamais triché, je n'ai jamais fait quelque chose. Tu as les ramasser, permettez-moi les termes, n'importe quoi là même à l'extérieur, et tu as ramené cela. Je reviens dans cette contrée, je pense, une année après, et cet homme et cette femme étaient partis. Et j'ai 2 ans, je pense, et j'ai retrouvé leurs enfants dans la rue, enfants de la rue, maigres, sales, avec les autres enfants de la rue, avec la seule différence, quand ils ouvraient la bouche, ils parlaient un français impeccable. Et quand j'ai vu ces enfants ce soir-là, je suis rentré à l'hôtel, j'ai dit, Seigneur, comment les destins des enfants peuvent basculer simplement parce que quelqu'un n'a pas su résister. Ces enfants auraient pu être dans les bonnes écoles comme ses papas rêvaient. Mais pour les belles jambes d'une jeune fille, pour entre guillemets l'élégance d'une jeune fille, un homme a détruit sa vie, la vie de sa femme et le futur de ses enfants. Et ces jours-là, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à résister à certaines choses. Car certaines défaites ne seront pas mes défaites à moi seul. Quand je serai tombé dans la défaite, je ferai perdre plusieurs. Et j'insiste en disant, les délits-là, on peut les éviter. Mais je serais aussi très négatif si je m'arrêtais simplement là. En disant, avec Dieu,
il est possible qu'il y ait une vie après Delila. Avec Dieu, il est possible qu'il y ait un relèvement. Juges chapitre 16, au verset 22, la Bible dit, « Cependant, les cheveux de la tête de Samson recommencèrent à croître depuis qu'ils avaient été rasés. » Et la fourchette, là, du verset 27 au verset 29, dit, « La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur les toits environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. » Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je t'ai prié, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Ah, écoutez la suite. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Je poursuis même jusqu'au verset 30. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ce qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ce qu'il avait tué pendant sa vie. Avec Dieu, il est possible quand Delila vous a crevé les yeux, de revenir vers Dieu. De dire, Seigneur, je n'aurais pas dû accepter Delila. Je l'ai accepté. Je reconnais que Delila m'a crevé les yeux. Mais Seigneur, si tu peux me relever. Le Dieu que je connais, le Dieu que je sers, c'est le Dieu de la seconde chance. C'est le Dieu qui peut nous relever et nous donner la possibilité. Et Samson a pu vaincre ses ennemis. Il avait dit, il a tué plus après que Delila allait crever les yeux qu'avant. Mais je m'aurais aussi dit que les Delila n'entrent jamais par intrusion dans notre vie. Premièrement, les Delila arrivent dans la vie de ceux qui oublient leur vocation. Deuxièmement, les Delila arrivent dans la vie des hommes et des femmes qui deviennent distraits. Du reste, les Delila ne font jamais leur mauvais travail, leur mauvaise besogne du coup. Lisez l'histoire. Les Delila vont par à coup, par étapes, petit à petit. Mais les Delila sont patientes. Quand elles veulent atteindre un objectif, elles vont toujours jusqu'au bout. Mais une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que quel que soit ce qu'il peut y avoir comme tentation par rapport au Delila, nous pouvons résister au Delila. Nous pouvons dire non. Nous disons non parce que nous savons ce qu'il y a en nous. Nous disons non parce que nous savons que si nous ouvrons la porte, ce ne sera pas seulement notre défaite, mais ce sera une défaite pour plusieurs personnes. J'ai jamais oublié ces récits, et c'est peut-être par là que je termine. Il y a plusieurs années, un frère que je connais, attaché à moi, aussi par les liens de sang, qui est dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, il a rencontré une Delila sur les chemins de sa vie. Et ça a fait un scandale à l'église. On devait les suspendre, les mettre sous discipline. Le pasteur avec qui je travaille m'a laissé ses rôles, il m'a dit, suspends-le. Il faudra même que l'église soit au courant. J'ai toujours en mémoire, ce jour-là, j'ai parlé avec lui au bureau. Je l'ai informé qu'il était suspendu et le lendemain, on avait annoncé ça. Mais avant qu'il ne quitte mon bureau, quand j'ai voulu prier pour lui, il m'a dit, est-ce que je peux aussi prier? Il a fait l'une des plus belles prières que j'ai jamais entendues. Il a prié, il a dit, Seigneur, comme l'apôtre Pierre, je viens de couper une oreille et je ne sais comment la remettre. Mais Seigneur, les oreilles que nous coupons, toi tu es capable de les remettre sans que l'on sache qu'elles ont été coupées. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Delila. T'as crevé les yeux, viens devant Dieu avec ta vie en lambeaux. Dis-lui, Seigneur, j'aurais pu même être un peu plus éveillé, mais je manquais cela. Mais maintenant, voilà, Delila m'a crevé les yeux. Et le Dieu que je sais, que j'ai appelé le Dieu de la seconde chance, permettez-moi ces termes, peut encore vous relever. Je me prie avec vous. Seigneur notre Dieu, j'ai essayé d'apporter ta parole avec les mots et les paroles que tu m'as donnés. J'aimerais te demander deux choses. La première, place des Jonathan sur la route de tes enfants, mais fais aussi de nous des Jonathan pour quelqu'un. Fais de nous des hommes et des femmes qui allons propulser les autres dans leur destin, qui allons les enrichir, qui allons être des canaux par lesquels ils seront élevés, enrichis. Donne-nous d'avoir la connaissance de la puissance des mots afin de fortifier par la parole qu'on fortifie un disciple. Mais Seigneur, ma deuxième prière, éloigne-nous de Delila. Éloigne-nous de tueuses de destin. Éloigne-nous de tueuses de vocation. Éloigne-nous ceux et celles qui veulent nous transformer des libérateurs que nous sommes et que nous sommes appelés à être en divertisseurs. Je prie qu'aucun libérateur ne devienne un divertisseur parce que Delila est rentré dans sa vie. Telle est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Oye komita mwe likamboyo basi mi bale baboti bana sima bangu mi bale bakomi kuwela mwana moko.